Ravi de vous revoir à Seabrook. Bienvenue à Seabrook. Ici, l'énergie est verte. Au début, on vivait dans une communauté joyeuse et organisée. Mais les zombies ont débarqué et les loups-garous. Donc, naturellement ou surnaturellement, des erreurs ont été commises. Porte de l'unité. Mais on a appris à vivre tous ensemble. Tous les bienvenus. Lycée de Seabrook. Seabrook devient l'endroit rêvé. Ou presque. Les monstres se heurtent encore. À un grand obstacle, la fac. Mais si on remporte le match de foot. De ce soir. Un zombie pourra aller. À la fac pour la première fois. Et les autres monstres auront accès. Aux études supérieures. On est les Mighty Shrim. Et on sera tous ensemble. Et une fille aux cheveux blancs. Passera peut-être inaperçue à la fac. Si ça se trouve, elle se sentira enfin à sa place. Alors, remportez le match. Pour que tout soit parfait à Seabrook. On ne reculera devant rien. Salut, ici Z, le zombie insouciant. À Seabrook, les humains, zombies et loups garous sont dans la même équipe. Ça va comme tu veux Ouais, Z. Salut, Z. Yo! Grâce à toi, je suis un nouvel homme. Super! Fini les virer au supermarché en pyjama. Ouais! Et adieu la cave de ma mère. Merci, Zed! Salut, maman! J'ai trop hâte pour le match de ce soir. J'ai une danse spéciale. Tu veux voir? Mais carrément! Sacré mouvement! T'as la classe! Coach, le match de ce soir est crucial. Alors? J'ai bossé sur notre stratégie. Merci, Z. Ça va trop nous aider. Pas de soucis. Merci. À plus. On y va. Bon, les gars. Faut garder la même énergie ce soir. Du beurre de cacahuète pour toi. De la moelle de bœuf pour toi. Et un smoothie de cervelle pour moi. Tu dois remporter le match, Z. Si tu gagnes, tu seras le premier zombie à aller à la fac. T'inquiète, ça va le faire. Ma petite sœur, Zoé. Grâce à toi, les zombies pourront peut-être aller à la fac. Aucune pression. Ma meilleure amie et activiste, Elisa. Elle est stagiaire chez Z-Corp. Créateur du bracelet Z. En ligne. Ouais, je sais. Elle brise le plafond de verre. Littéralement. Je l'ai brisé en testant un prototype. Y a pas moyen. J'irai à Mountain College. Ça sera un petit pas pour les zombies. Mais un bond de géant pour moi, car... Salut, moi, c'est Addison. En tant que chef des Cheerleaders. Je me dois de soutenir Seabrook. Ça me touche directement. Je vais à Mountain College. Et veux absolument que Zed gagne le match. Et me rejoigne. On va motiver notre équipe à fond. 5, 6, 7... 8. On est les Mighty Shrimp. On veut vous entendre crier. À gauche comme à droite. Montez le son à bloc. On veut vous lancer dans les airs. Vous ne toucherez même pas le sol. Prenez de la hauteur, on prend ça à cœur. Cette ville, c'est la nôtre. On est les Mighty Shrimp. On veut vous entendre crier. À gauche comme à droite. Montez le son à bloc. On est les mighty shrimp. L'heure est venue de vous montrer. Qu'on a de quoi vous enflammer. La température monte. Et ça se sent. La température monte. Salut. Après le match de ce soir. On pourra plus jamais encourager l'équipe. Je sais, moi aussi j'aimerais pouvoir. Continuer à être cheerleader. On devrait se planter en science. Pour rester au lycée. Et puis non. Il y a trop d'alchimie entre nous. On va trop gagner. Et alors On sera ensemble pour toujours. Je dis si, vous dites Brooke. Si. Brooke. Si. Brooke. Nos pierres de lune réagissent, Wyatt. Il se passe un truc. Il se passe un truc énorme. Le plus gros match de foot de l'univers. Le plus gros de si, Brooke. Allez, tu sais à quel point. On doit décrocher cette victoire. Si Brooke a besoin de toi, Pom Pom Louve. Tu veux qu'une louve garou féroce motive une équipe de foot S'il te plaît. On va écraser les East Deals. Réduisons l'embouillie. Elle en fait peut-être un poil trop. Mighty Shrimp, tous dans le bus. Défendons notre territoire. Personne ne fait le poids face à notre meute. Ouais. Quand t'es de Seabrook, t'es Seabrook. Allez les Mighty Shrim. Seabrook. 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 Ouais. Elisa. Salut, Wyatt. J'en reviens pas que tu sois pas là. Tu nous manques. Et c'est à qui qu'elle manque le plus. Wyatt? Elle a dit quoi? J'ai pas entendu. Allez tout le monde. On applaudit bien fort notre équipe. Sur le chemin de la victoire. La voici. Merci d'être venu me soutenir. Avant mon grand match. Tu fais même pas partie de l'équipe. Bucky. Président Bucky. Et en tant que tel, les exploits des autres sont aussi les miens. Cette année va être démente pour moi. Maintenant que j'ai organisé le concours national de cheerleading, c'est Addison qui l'a organisé. Elle a invité plein d'équipes. À s'affronter. Allez, Seabrook. Ouais, Seabrook. On y va. Allez, les mecs. C'est parti. Tu vas déchirer ce soir, compris? Les îles pensent pouvoir te mettre en cage. Te garder en laisse. Mais t'es pas un petit chiot tout mignon. T'es une bête féroce de la forêt. Je suis une folle furieuse. Trop. Fonce, Winter. C'était trop? C'est jamais trop. Reste toi-même. Regarde un peu le recruteur. De Mountain College. Il a l'air tendu. Il a jamais vu de monstre de sa vie. Mais il va recruter mon garçon, pas vrai? Oh, je n'en doute pas. Les zombies gardent. Toujours la pêche, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je te dis. Que Z Necrodopolis est une star. Sur le terrain, peut-être. Mais avoir un monstre dans la classe. Des zombies et des loups-garous. Oh, Seigneur. Ça va aller. Allez. Bonsoir, je suis le père de Z. Ravi de vous rencontrer. On a On y est. Ensemble. Pour toujours. Des météores. Les loups-garous ont récupéré la pierre de lune. Et depuis, on voit souvent des météores du cibrook tout craché. Allez, viens. Le voilà. Bonsoir. Je recrute pour Mountain College. On a besoin de Vous avez besoin de me recruter ou Oh mon dieu. C'est quoi Un OVNI. Je démissionne. Plus jamais. Attendez, ne partez pas. Vous devez me recruter. Mec, c'est trop pour moi. J'arrive pas à y croire. Je sais pas vous. Mais je commence à perdre espoir. J'hallucine. Où tu vois la même chose que moi? C'est pas des loups garous ni des zombies. Encore moins des humains. Entre les nuages, venus du ciel. Quelque chose est là mais on ignore quoi. On va leur faire voir. Faut protéger la pierre de lune ce soir. Sécurisons la zone sur le champ. Plaçons nos défenses maintenant. Les extraterrestres nous entourent. Ils planent sur la ville sans détour. Venus du cosmos et d'une lointaine galaxie. Comment savoir s'ils sont Nos amis ou nos ennemis Il n'y a plus de doute. Nous ne sommes pas seuls. S'affiche la trouille. Mais c'est plutôt cool. Sors ton téléphone et rentre à la maison. C'est une invasion, c'est une invasion. Shrimpy, c'est une invasion, c'est une invasion, c'est une invasion, c'est une invasion. invasion. J'arrive pas à y croire. Pince-moi pour voir. Est-ce qu'on devrait rester Ou se débiner Je sais pas, ça me dépasse. Ça signifie quoi pour nous Que faut-il faire Ils pourraient nous réduire en poussière. En tout cas, ils ont mal choisi leur jour. Pour nous envahir. Prends ma main, je t'emmène en sûreté. On va trouver un moyen. Je vais me débrouiller, merci mon chou. Que veulent-ils donc faire de nous C'est peut-être un nouveau départ. Si c'est la fin. On sera ensemble au moins. Venu du cosmos. Et d'une lointaine galaxie. Comment savoir s'ils sont. Nos amis ou nos ennemis. Il n'y a plus de doute. Nous ne sommes pas seuls. S'affiche la trouille. Mais c'est plutôt cool. Sors ton téléphone. Et rentre à la maison. C'est une invasion. C'est une invasion. Elisa, je sais pas ce qui va se passer. Mais je voulais te dire que tu me plais. Quoi? Je t'entends mal. Tu me plais. Beaucoup. T'as dit quoi? Parti d'une autre planète. Regardez comme on a évolué. Notre vaisseau éclaireur s'est écrasé. De tout son long. Quelles sont nos coordonnées? Est-ce le nord ou le sud? Utopie est proche. On sort la carte et on se tire. Nous venons en paix. Pas d'inquiétude. On a peut-être l'air méchant. Mais on a une bonne attitude. On vient de loin. On a voyagé dans tout l'espace. Ne craignez rien. Nous ne sommes pas une menace. Fouillez le vaisseau. J'allais le dire. On sait, Ali. Parce que. On était les pattes. Perdu. Ici la commandante du vaisseau 1509. J'ai l'honneur de vous annoncer. Que j'ai accompli ma mission. Depuis des siècles, nous irons dans l'espace, mais j'ai trouvé Utopie. La planète idéale pour notre peuple. J'ai caché les coordonnées dans ce que Seabrook a de plus précieux. Instrumomo. Vous devez les localiser. Trouvez ce que Seabrook a de plus précieux, précieux. Le fichier est corrompu. Il faut trouver ce qu'ils ont de plus précieux. C'est là qu'on trouvera la carte d'Utopie. Nous venons en paix. On ne vous veut aucun mal. Nous venons en paix. Pas d'inquiétude. On nous attaque, on est fichu. Faut riposter avant de clamser. Je veux pas mourir. Aidez-nous, Z. Du calme. Ils nous veulent peut-être du bien. Finissons-en immédiatement. Plaçons nos défenses maintenant. Les extraterrestres nous entourent. Ils veulent notre ville. Prenez garde. Venus du cosmos. Et d'une lointaine galaxie. Comment savoir s'ils sont nos amis ou nos ennemis? Nous venons en paix. Plus de doute, nous ne sommes pas seuls. On vous veut aucun mal. S'affiche la trouille. Mais c'est plutôt cool. Nous venons en paix. Sors ton téléphone. Rentre à la maison. C'est une invasion. Z. Arrête. On dirait que notre arrivée a causé une petite montée d'énergie destructrice. Ces êtres hostiles n'ont pas l'air de vouloir nous donner leur précieux. Il va falloir justifier notre présence. Sans leur révéler notre mission. Venez tous. Concours national de cheerleading. On a la même idée. Montrez-nous votre chef. Votre chef des pom-pom girls. Non. Salut. Nous acceptons votre invitation. Au concours national de cheerleading. Patrouille Z arrêtez les Bien, monsieur. On y va. Avancez. Pas un geste. Patrouille Z. Vous avez bien fait de les séparer. Principal Lee. Je n'en suis plus à mon coup d'essai. Je parie qu'ils veulent me cloner pour créer une force indestructible. Et qui peut leur en vouloir Ils ne sont pas les bienvenus. Ils doivent partir. Mais on a invité tout le monde à l'occasion de la coupe de Seabrook. C'est ma récompense, pas la leur. Je compte bien gagner. Encourager les gens permet. De les rapprocher. Ça pourrait marcher pour les planètes. Ou détruire la nôtre. Ces extraterrestres veulent nous prendre. Ce qui nous appartient. Du calme. Salutations. Vous vouliez. Que je continue à attendre seul? Je crois que ça serait. Oui, ça, oui. Tout à fait. Serait bien. Formidable. Dois-je remettre vos bijoux de cérémonie Et réparer votre porte Ça serait fantastique. Ridicule Oui, je vous prie. Que l'harmonie soit avec vous. Salle d'interrogatoire 1. Bonzo, oublions l'invasion un instant. Je fais face à un dilemme. Je comprends. Pour venir ici, il nous a fallu... vaincre des poulpes cosmiques et traverser. Un trou noir carnivore, à deux reprises. Ce n'est peut-être pas un dilemme. À cause de vous. J'irai pas à Mountain College. Le recruteur a démissionné. Mountain College. Téléchargement. Il se passe quoi Dommage, t'es pas exceptionnel. Si tu l'étais, tu aurais pu y aller. C'est le seul autre moyen. Cette fac propose une bourse spéciale. Aux étudiants exceptionnels. Zombies y compris. Mais c'est tout moi, ça. Nous ne partageons pas la même définition du mot. Laisse-moi te dire un truc. Je suis impressionnant. Mouais. Je sais pas trop. Peu importe. Je vais décrocher cette bourse. Et permettre à tous les monstres d'accéder aux études supérieures. Ouais. Pourquoi tant d'agitation On est juste heureux. T'as trouvé la parade parfaite il va pouvoir aller à la fac. Top là. Ok. Les émotions gênent les télépathes. Donc on les élimine. Même si ça a l'air sympa. Vous pouvez sortir. Nous avons beaucoup d'inventions. À partager avec vous autres primitifs. Nous avons même créé... Une bactérie lactique digestible. En stase sous des températures négatives. Genre... du yaourt glacé. On en a aussi. Impressionnant. Si vous voulez envahir Seabrook, il va falloir nous passer sur le corps. On ne veut pas de votre planète un étoile. Ils sont très émotifs. Oui, mais pendant qu'on est ici, je vais désactiver nos suppresseurs d'émotions. Entre nous, j'ai hâte de m'essayer aux émotions. L'excitation. Voilà une émotion. C'est si excitant. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la compétition de cheerleading. Mais pas un jour de plus. Merci Madame le maire. C'est un honneur. De rejoindre votre compétition. C'est quoi, le cheerleading T'en fais pas, je vous montrerai. Et c'est quoi, une compétition C'est quand on défie des gens. Pour voir qui est le meilleur. Notre peuple recherche l'harmonie. Nous ne sommes jamais en compétition. Mais j'admets que le concept m'intrigue. Z, zombie et star de foot. Je suis plutôt apprécié. Alan. Extraterrestre. Paraît que je suis un peu extra. Sur les bords aussi. Une compétition. C'est juste une poignée de main. C'est bon. J'ai gagné Pas du tout. Toutes nos excuses. Notre peuple possède. Une étincelle de poussière d'étoiles. Des espèces moins développées. Peuvent trouver ça douloureux. Bienvenue à Seabrook. Salut. Alan, as-tu pensé à tes rations Pour midi Oui, Vesomère. Ali, as-tu pensé à ta combinaison thermique Oui, Vesomère. Et Aspen, n'oublie pas ta mission. Trouvez la carte qui nous guidera vers notre nouvelle planète. Vesomère, c'est une mission secrète. C'est bon, pas besoin de prendre ce ton. Profitez de notre intelligence supérieure. Pour vous éduquer. Il faut tirer. Ouais, c'est bon. Plus fort ensemble. Yo, salut. Ces extraterrestres sont géniaux. Ils n'obéissent à aucune hiérarchie. Ils sont pacifiques et stylés. Enfin, ils ont un peu détruit Cybrook. Quand même. C'était un accident, Z. Ils sont courageux. D'être allés sur une autre planète. L'idée d'aller à la fac. Toute seule me terrifie. Enfin, non, pas seule. Avec toi. Bien sûr. Je vais aller à Mountain College. Et on sera ensemble pour toujours. C'est toi et moi. Ensemble pour toute la vie. On ne se sépare pas. On ne se dispute pas. Rien ne changera. J'espère. Une vie parfaite. Heureux jusqu'à la fin des temps. On restera honnête. Quoi qu'il en soit, j'espère. On n'est pas inquiet. Oh que non. Pas du tout. C'est troublant. Comme les étoiles s'alignent. Mais comment On n'est pas stressé. On n'a vraiment aucune incertitude. Mais il y a de quoi. Tout ira bien, parfaitement bien. Il y a aucun doute là-dessus. L'avenir est radieux, si radieux. Je ne pense à rien d'autre qu'aux belles choses qui nous attendent. Pas de complications à l'horizon. Tout ira bien, parfaitement bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Entrée interdite. Chantier. Pour être honnête. On a toute notre tête. On est assez grand pour savoir. Qu'on s'aime, c'est évident. Mais on a 17 ans. Si tu me promets. Qu'on sera toujours d'accord. Je te promets. Que toujours je te choisirai. Vraiment? On n'est pas inquiet. Oh que non. Tirez. C'est troublant. Comme les étoiles s'alignent. On n'est pas stressé. On n'a vraiment aucune. Attendez. Ne tirez pas. Incertitude. Tout ira bien, parfaitement bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'avenir est radieux, si radieux. Je ne pense à rien d'autre. Qu'aux belles choses qui nous attendent. Pas de complications à l'horizon. Tout ira bien, parfaitement bien. Il y a aucun doute là-dessus. Tout se passe exactement comme prévu. Vous avez vu? C'est du tout cuit. Allez, on continue. Trouvons la carte et rentrons à la maison. On sera parti en un rien de temps. Avec ce qu'on cherchait. Mission accomplie. Attention. Sol glissant. On n'est pas inquiet. Oh que non. C'est troublant. Comme les étoiles s'alignent. On n'est pas stressé. On n'a vraiment aucune. Incertitude. C'est mal barré. Tout ira bien, parfaitement bien. Il y a aucun doute là-dessus. L'avenir est radieux, si radieux. Je ne pense à rien d'autre. Qu'aux belles choses qui nous attendent. Pas de complications à l'horizon. Tout ira bien, parfaitement bien. Il y a aucun doute là-dessus. Ils n'ont pas traversé la galaxie. Pour nous encourager. Que font-ils vraiment ici Faites gaffe. On n'y manquera pas. Merci du conseil. Souriez. Trop cool. Une caméra extraterrestre. Cheese. C'était quoi ça Addison, tu peux pas aider. Les envahisseurs. Lâche-la, Bucky. Maintenant, la chef. C'est ta cousine, pas toi. Merci, Willa. Mais Bucky a raison. Ah bon Mais oui, évidemment que j'ai raison. Juste un peu. Je leur fais pas confiance, Addison. La dernière fois qu'on nous a envahis. Notre pierre de lune a disparu. Et cette fois, on va peut-être rater. Notre chance d'aller à Mountain College. C'est pour ça qu'on doit protéger. Ce qui nous appartient. La coupe de Seabrook, mon héritage. Moi, en général. Pas vrai, Willa? Ou devrais-je dire, ouais si? T'as pas intérêt. T'en fais pas pour les extraterrestres. J'aime la compétition. C'est ma chance d'aller à Mountain College. Si seulement t'étais là pour m'aider. Avec mon dossier de candidat exceptionnel. Je suis là. Tourne-toi. J'ai créé un petit gadget. Avec quelques pièces de la Z-Corp. C'est incroyable. Elisa. Les extraterrestres m'ont pas enfermé. Dans un robot. C'est moi qui l'ai fait. J'en aurais profité pour me grandir. Au moins, c'est pas moi. Qui ai loupé mon permis. À deux reprises. Désolé, c'était bas. T'es un génie. Tu dois rendre ton dossier quand? Aujourd'hui, donc on n'est pas trop. À la dernière minute. Attends un peu. Pour être accepté. Tu dois absolument être exceptionnel. Bouge pas, je sors ton bulletin de notes. Classement troisième place. Vise un peu ça, je suis troisième de ma classe. Si on regarde ma moyenne générale. Classement neuvième place. Quoi Neuvième C'est une erreur. Dix-huitième C'est totalement illogique. Les notes au-dessus des miennes sont... D'un autre monde. Z. Ils ont fini le programme en 23 minutes. Ils ont pris du retard. Parce qu'ils ne savaient pas. Comment utiliser un taille-crayon? Ça alors, l'ustensile est réparé. Ils m'ont coiffé au poteau. Et ils me battent en athlétisme. Quoi? Et eh. Z, Alan a explosé ton record. Il t'a mis une tannée intergalactique. Il t'a battu au développé couché. C'est un OVTI en saut en hauteur. Objet volant très identifiable. Il a six rangées d'abdos. Avec un peu de temps. J'arriverai à 8, coach. Et le mieux dans tout ça Les lois. De la gravité ne les affecte pas. Il va y avoir du sport, Z. Trop drôle. Adieu Mountain College. Les monstres ne pourront jamais y aller. C'est très plaisant d'être le meilleur. À cause de vous, je risque. De ne pas aller à Mountain College. Je n'aime pas ce conflit. Je ne veux pas de cette discorde. Alors, pourquoi vous retournez pas? Sur votre planète? Parce qu'elle a été détruite. On n'a plus de chez nous. Je suis désolé. Vraiment. Les zombies en ont bavé. Mais on a toujours eu Zombie -ton. Je peux vous aider? Tu ferais un truc pareil? Nos lentilles nous permettent de lire. Dans les esprits de Seabrook. Pourquoi faire? Pour en savoir plus sur le cheerleading. Le cheerleading. Évidemment. Et l'intimité des gens dans tout ça? Vous pouvez pas scanner. C'est quoi, ce truc? Un scan cérébral de ton prof de SVT. C'est ma note? Des plus? C'est, horrible. Je fais facilement mieux. Tu mérites mieux. Tes réponses parlent. Du rapport cerveau zombie avec justesse. Ton prof ne comprend pas. La culture zombie. Voilà la note que tu méritais. Super. C'est tout Merci. Je sais comment tu peux nous aider. Cette image apparaît. Dans de nombreux scans. C'est quoi C'est la pierre de lune. La chose la plus précieuse de Seabrook. Et la force vitale des Loups Garous. Instrumomo. Mais pas touche. Les Loups Garous ne laissent pas. Les étrangers s'en approcher. Tu es si attentionné. Euh, d'accord. Pour te remercier. Nous allons renforcer ton dossier. Pas besoin d'être Einstein. Même si ça pourrait aider. Quel est le sens de cette expression? Ça veut dire que l'univers a envoyé une super équipe d'extraterrestres. Pour aider un zombie à aller à la fac. Super. C'est génial. Comment t'as été aussi rapide? Disons que j'ai des amis haut placés. C'est énorme. Zed, t'as réussi. Carrément. Il me manque plus que l'entretien. Les zombies comptent sur toi. Oui, rien que sur moi. T'inquiète, je gère. Elisa, c'est toi Rien de tel que la technologie zombie. Faudrait pas sous ce timer. Celle des loops garous Je me disais que peut-être qu'on pourrait réviser ensemble à distance ou Z. Viens, Illy. Faut qu'on s'entraîne. Allez, Illy. Tout est prêt pour l'entraînement de ce soir. Super. Merci, Stacy. La peur. Je reconnais cette émotion. Vénérable chef, j'ai besoin d'aide. Pas de souci. Je ne sais pas ce que je ressens. Mes paumes sont moites et j'ai comme... Des mythes spatiales dans le ventre. C'est la grippe spatiale. Tu craques pour quelqu'un, Aspen. Craquer Non, ça veut dire que quelqu'un te plaît. Que tu les aimes. Je ne saisis pas. C'est quand tu tises des liens très forts. Avec une personne. Et à une envie irrationnelle. D'être avec elle C'est exactement ça. Qui est-ce Un zombie. Bonzo n'est pas libre. Garde-moi mes lunettes, Adi. J'aime Z. Tu aimes Z Aspen, je l'aime aussi. Trop mimi. On l'aime. C'est merveilleux. Tu peux pas aimer son copain. Est-ce que ça se contrôle Non, on ne peut pas contrôler l'amour. Mais Zed et moi sommes en couple. On veut être ensemble pour toujours S'il arrive à aller à Mountain Collage. Alors oui, pour toujours. Ou il n'y arrivera pas, changera d'avis. Et tombera amoureux de moi. On n'a qu'à en reparler. Après l'entraînement. L'entraînement Ça a l'air chouette. On va te montrer pourquoi. Les Mighty Shrimp sont les meilleurs cheerleaders de la galaxie. Utopie, 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 utopie. La télépathie aide vraiment. Oui. On est meilleurs que vous. Et vous faites ça depuis toujours. C'était génial. Merci pour l'invitation. C'est nous contre eux. On va gagner. Ils ne nous prendront rien. Pas même la coupe de Seabrook. Exactement. Allez. Seabrook. Voilà qui est mieux. Tu vois? Ton équipe avait juste besoin. D'un ennemi commun pour te motiver. Non. On va gagner parce qu'on s'aime. Pas parce qu'on déteste les autres. On n'est pas comme ça. C'est notre dernière chance. De motiver l'équipe ensemble. Et de gagner. On a besoin. D'un triple Lindy Hip Hop à deux temps. Cette figure est impossible. À chaque fois, je m'éclate par terre. Et trop de rhinoplastie tue. La rhinoplastie. Ensemble, rien n'est impossible. Allez, on y va. Maintenant qu'ils sont distraits. On peut les pulvériser. Voir la pierre de lune. Me regarde pas comme ça. Ali, nous sommes pacifiques. C'est vrai, désolé. Mes émotions m'envahissent. Pareil. La joie de la compétition me dévore. Et, malheureusement. Je suis très doué pour gagner. Mais rappelons-nous. Que nous sommes un peuple. Un peuple uni. Et soudé. Et on doit trouver la pierre de lune. Yaourt glacé du coach. Fermé. Ils ne sauront jamais qu'on est venu. Elle est entourée d'un champ de force. Que j'avais totalement vu. Plus maintenant. Impressionnant. Oui, son cristal renferme. Assez d'énergie. Pour contenir nos coordonnées. Je voulais parler du yaourt glacé. Désolé. Le scan est terminé. Et les coordonnées sont. Pas du tout là. Échec de la mission. Ça fait pas si mal que ça. Bobo momo. La pierre bloque notre poussière d'étoile. Elle est puissante. Il y a quelqu'un. Vaisseau téléportez-nous. Vaisseau mère, téléportez-nous. Téléportez Fais la lessive. Calcule le saut quantique intertemporel. Apprenez d'abord les bonnes manières. Trop tard. Cachez-vous. Quelqu'un est venu sur notre territoire. Notre champ de force a été désactivé. Et quelqu'un a mangé notre yaourt glacé. Et il a complètement fondu. Que la chasse commence. Quelque chose me dit. Que vous êtes dans le coin. Vous avez abusé de notre confiance. Alors, ça ne rigole plus. Vous pouvez toujours courir. On sait ce que vous avez fait. Vous n'êtes plus les bienvenus. Pas de peau. On est des chasseurs. On est des monstres. Sans vouloir vous faire peur. Vous pouvez toujours courir. On sait ce que vous avez fait. Vous n'êtes plus les bienvenus. Juste comme ça. Vous nous avez mis à dos. On sort nos griffes. Inutile de vous cacher. Vous ne pouvez pas échapper au destin. Sortez de là, venez nous voir. Sortez de là, venez nous voir. Dans le noir, au parc, en pleine nature. Venez nous voir. Dans la rue, dans les arbres, la nuit. Venez nous voir. On rôdera. Jusqu'à vous trouver. On est des sauvages. Qui chassent sous la pleine lune. Essayez de vous échapper. Vers la voie lactée, vous n'êtes plus les bienvenus. C'est notre pays, notre territoire. Vous ne faites plus partie de l'histoire. Allez vous un en courant comme le vent. Appelez votre vaisseau maman, vous n'êtes plus les bienvenus. Juste comme ça. Vous nous avez mis à dos. On sort nos griffes. Inutile de vous cacher. Vous ne pouvez pas échapper au destin. Sortez de là, venez nous voir. Sortez de là, venez nous voir. Dans le noir, au parc, en pleine nature. Venez nous voir. Dans la rue, dans les arbres, la nuit. Venez nous voir. Vous avez de la suite dans les idées. Mais jamais vous ne prendrez notre fierté. Ne vous frottez pas à zombiton. On vous trouvera où que vous soyez. Écoutez-nous bien. Si notre pierre disparaissait, écoutez-nous bien. Jamais on ne vous le pardonnerait. Écoutez-nous bien. On fera tout pour vous retrouver. Alors, venez nous voir. Dans le noir, au parc, en pleine nature. Venez nous voir. Dans la rue, dans les arbres, la nuit. Venez nous voir. Venez nous voir. vaisseau s'il te plaît. Téléportez-nous. Ok, mais juste à cause du mot magique. Euh, de rien Bien joué, tout le monde. À l'aide. Au secours. Que se passe-t-il Je t'avais manqué. Désolé, Z, c'était un réflexe. Qu'est-ce que tu fais là On m'a téléporté. Et toi Aspen voulait en savoir plus sur Seabrook. C'est mignon, Y'a essaie. De passer du temps avec toi. Pourquoi Faut dire que mon charme est universel. Sois pas comme ça. Aspen n'y connaît rien. En émotion et en relation. Attention Un intrus Addison Notre vaisseau-mère t'a téléporté On va devoir. Vous pulvériser Vous accueillir Ali Euh Oui vous accueillir. Désolé. Ici la commandante. C'est splendide chez vous. J'ai l'honneur de vous annoncer. C'est un superbe vaisseau. Mais ce n'est pas chez nous. Des plaies environnementales ont détruit notre planète. Au fil du temps. Vraiment Et personne n'a essayé de la sauver Non et on a tout perdu. Personne ne s'est manifesté. Ça aurait créé des tensions. Et nous tenons à l'harmonie. Et nous la maintiendrons coûte que coûte. T'as l'air énervé. Pas du tout. Je suis juste hostilement. En harmonie. Je dois me tirer de cette planète. On a besoin de votre aide. Mais d'abord. Aspen a des sentiments pour toi. Ah oui. Justement. J'ai fait des recherches. Les couples peuvent finir par s'éloigner. Mais on n'est pas en couple. Effectivement. Je dois rompre avec toi. Pardon. On n'a pas de mouchoir. Mais je peux te prêter ma manche. Hein Il nous restera toujours l'invasion. Comme vous le voyez, Yel maîtrise les interactions de votre espèce et vous juge digne de confiance. Notre éclaireuse s'est écrasée à Seabrook et y a caché une carte menant à Utopie. Un nouveau foyer pour nous. On est ici pour la trouver. Alors, c'est pas pour le cheerleading c'était un mensonge. On craignait que vous nous empêchiez. De trouver la carte. Elle est dans ce que Cybrouka. De plus précieux. D'où vos questions sur la pierre de lune. Oui. Mais nos scans n'ont rien révélé. Elle n'y est pas. Qu'y a-t-il d'autre de précieux? Le cheerleading. Mais c'est pas une bonne cachette. Ici la commandante. Pas touche. On répare les fichiers. Du journal de notre éclaireuse. Sans succès. Vous avez essayé de cogner dessus? Ça marche avec ma vieille TV. Cogner dessus. Cette technologie cosmique est fragile. On ne peut pas cogner dessus. Aïe. Tiens, ça a marché. Lecture du journal de l'éclaireuse. Ici la commandante du vaisseau 1509. J'ai l'honneur de vous annoncer. Que j'ai accompli ma mission. Depuis des siècles, nous errons. Dans l'espace, mais j'ai trouvé Utopie. La planète idéale pour notre peuple. J'ai caché les coordonnées. Dans ce que Seabrook a de plus précieux. Vous devez trouver. Ce que Seabrook a de plus précieux. Plusieurs décennies de ça. Mon vaisseau s'est écrasé ici. Je serai morte sans l'aide d'Elie. Un jeune humanoïde. Il m'a mise à l'abri et m'a soigné. Mais sans vaisseau pour rentrer. J'ai dû cacher ma vraie identité. Je connais ça. J'ai rejoint son école, où j'ai découvert ma passion, le cheerleading. J'ai même créé un trophée. La coupe de Seabrook. Mais, loin de mon peuple. Mes cheveux sont devenus blancs. Et j'ai perdu mes pouvoirs de poussière d'étoile. Mais j'ai gagné quelque chose d'autre. Une famille. Ellie et moi étions amoureux. Et nous nous sommes mariés. Notre avant nommé. Notre premier enfant à Michanta, ou Missy. C'est le nom de ma mère. Grand-mère. L'éclaireuse était ta grand-mère. Ma grand-mère. Grand-mère Angie était une extraterrestre. Et ma mère aussi. Tu as du sang extraterrestre. Voilà pourquoi le vaisseau t'a téléporté. Zed, je sais qui je suis. On a déjà partagé trop de choses. D'accord. Cette lume lentille était dans le vaisseau. Elle appartenait à ta grand-mère. Est-ce que tu possèdes notre étincelle? Peux-tu soulever la lume à lentille? Non. La poussière d'étoiles nous définit. Notre technologie ne te servirait pas. Tu ne peux pas utiliser la télépathie. Ni survivre à un voyage avec nous. Non, je me suis trouvé. Ma place est ici. C'est parfaitement logique. Pardon, mais tu n'as pas l'étincelle. Tu n'es pas vraiment des nôtres. Je vois. Désolé. Addison. Je ressens une grande tristesse. Le trophée de l'éclaireuse contient. Des matériaux de notre planète. Qu'y a-t-il de plus précieux Qu'un artefact de notre monde natal Voilà où est la carte. On doit remporter ce trophée. Ils ne veulent pas de moi J'ai du sang extraterrestre. Mais je suis seul au monde. Addison, grâce à toi. Personne à Seabrook n'a à se sentir seul. Tu as fait de cet endroit un foyer. Je vais aider les extraterrestres. À trouver la carte. Super. Et quoi qu'il arrive. Tu dois aller à Mountain College. Avec ou sans moi. Peu importe la distance entre nous. Jamais rien ne nous séparera. Tu vas assurer à ton entretien demain. Il y a intérêt. Faut que je sois. Le premier zombie à aller à la fac. Tu n'es pas seul, Z. Allez, viens. Où as-tu caché la carte, grand-mère Allez les shrimps. Maman. Grand-mère Angie était originaire d'où Seabrook, ma puce. Elle est née et a grandi ici. Pourquoi Parce que peu importe. Bonne nuit. Bonne nuit. Z l'exceptionnel. Votre attention. Si Z peut prouver que les monstres sont exceptionnels, des portes s'ouvriront à nous. Tu vas décrocher ton permis. Mon choubi. Mais c'est pas le moment. Zed a besoin de nous. Écoutez-moi bien. C'est notre seule chance. Madame Crabtree sera là dans une heure. Qui est en avance? Oh, non. Si on a un problème. Aujourd'hui, tu entres dans l'histoire. Le premier zombie. A passé un entretien d'entrée à la fac. Montre-leur ce dont on est capable. trop Mon charme de zombie est mortel. Ouais. Enfin, on verra bien. Hein. Elle est en avance. Je flippe un peu. Et pas dans le bon sens. Mon cœur va exploser. J'en ai les larmes aux yeux. T'es le meilleur joueur. Que je connaisse. Ça ira. Tu vas passer un super quart d'heure. Et si jamais Je foire l'entretien oui, mais est-ce que ça suffit? Tu as rallié ces créatures. T'as le cœur d'un loup. T'es un leader. Désolé, mais je suis stressé. Comment leur prouver ma valeur? J'essaie d'être le zombie parfait. Tout le monde compte sur moi. Je suis Z l'exceptionnel. Pour ma famille et mes amis. Faut que j'oublie mes doutes. Et arrête de me prendre la tête car je suis Z l'exceptionnel. Je fais de mon mieux. C'est aujourd'hui que tout se joue. Alors, je le dis une fois encore. Je suis Z l'exceptionnel. Enfin, je crois. Si Brooke reconnaît. Un citoyen exceptionnel. Va falloir assurer. Le monde est à toi, tu peux le changer. Grâce à toi, j'ai déménagé. Maintenant, je vis dans sa cave. J'ai eu des échecs mais tellement plus de réussite. Je suis le maire Wells. Et je valide ce message. Je suis si génial que ça. Au cas où t'aurais zappé. T'as transformé l'école. Que ça me plaise ou non. T'es malin et bosseur. T'as le pouvoir de tout changer. Tu parles le zombie. Une langue morte comme le latin. Ouais. Vous avez raison. Je sais. Désolé, mais je suis stressé. Comment leur prouver ma valeur J'essaie d'être le zombie parfait. Tout le monde compte sur moi. Je suis Z l'exceptionnel. Oh que oui Pour ma famille et mes amis. Et comment Faut que j'oublie mes doutes. Et arrête de me prendre la tête. Totalement. Car je suis Z l'exceptionnel. Oh que oui Je fais de mon mieux. Et comment C'est aujourd'hui que tout se joue. Alors, je le dis une fois encore. Vas-y, je suis Z l'exceptionnel. Z est gentil et courageux. Il illumine notre ville. C'est le genre de garçon qu'on veut avoir près de chez soi. Je crois en toi. Tu es exceptionnel. Et je sais que j'en suis capable. J'en suis capable. T'en es capable. J'en suis capable. T'en es capable. Je suis Z l'exceptionnel. Oh que oui. Pour ma famille et mes amis. Et comment faut que j'oublie mes doutes. Et arrête de me prendre la tête. Vas-y. Car je suis Z l'exceptionnel. Z, je crois en toi. Je fais de mon mieux. C'est aujourd'hui que tout se joue. Z, je crois en toi. Alors, je le dis une fois encore. Je suis Z l'exceptionnel. Qu'as-tu fait pour mériter tout ça Aucune idée. Merci. Quand tu avances, on avance tous. On est fiers de toi. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas? Tu as déjà été accepté. Bravo. Zed. Allons à l'intérieur. Ton dossier est plutôt convaincant. J'en ai dans la cervelle. Enfin. Nous craignons juste que tu te transformes. En monstre sans crier gare. Je suis un monstre. Mais il n'y a aucun danger. Manger de la cervelle? Ça ne se fait plus. Zed sait gérer sa zombification. Ça alors. Il y a comme une étincelle. Ça doit être à cause de la moquette. Malgré ton état de zombie. Que fera Istu pour Mountain College Malgré C'est une bonne question. Je pense que ma contribution serait. Tout va bien Oui. Ça va super. Donnez-moi juste une petite. Faut que j'aille aux toilettes. C'est la cuisine. C'était quoi, ça Je sais pas. J'ai perdu le contrôle. Ça vient de moi. Pas maintenant. Je dois me concentrer. Je suis désolé. Un petit mais zombie? Des entrailles de poissons fraîches. C'est à cause. De tes pouvoirs extraterrestres. J'ai leur étincelle. Ça a juste pris un peu de temps. Addison Rosalind Wells. T'es une extraterrestre. Oui. Tout va bien? Oui. Ça va. J'ai trop hâte. De l'annoncer au concours demain. Ma mère va halluciner. Elle va. Arrête. Désolé. Je fais de mon mieux. Un zombie. Non. Attendez. Je suis désolé. Ne le sois pas. S'il vous plaît, attendez. Je sais que je suis différent. Mais tous les gens exceptionnels le sont. Notre étincelle peut changer les choses. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don. Je suis Z l'exceptionnel tout comme ma famille et mes amis. Artistes, sportifs et activistes. On se donne toujours à 100%. On n'a pas à faire semblant. Parce qu'on sera toujours des marginaux. On est plus que fantastique. Malgré ça, on préfère en être fier. On est tous exceptionnels. On prendra ça en considération. Concours national de cheerleading. Championnat. C'est symbole. C'est la langue des extraterrestres. La coupe de Seabrook. Mais c'est bien sûr. C'est là que grand-mère a dû cacher. La carte menant à Utopie. Soit les extraterrestres l'emportent. Soit c'est moi. Oh, oui. Elle est splendide. Dommage pour vous. Vous allez craquer sous la pression. J'ai tellement hâte de craquer. Ma poussière d'étoile dans ta tronche. Seabrook. Bien envoyé. Non? Adieu, beauté dorée. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu là Quelle soirée de folie. Nous avons rencontré des extraterrestres. Mais la grande question de l'univers. Allez. Et la suivante. Qui remportera la Coupe de Seabrook? Ouais. Allez. Les Eastside Hills ne sont pas là. Pour rigoler. Ce truc inestimable est à moi. Ne l'oublie pas. Alors, dis-moi ce que c'est. Et plus vite que ça. Ne sois pas si chien. Ça se voit. Que t'as pas été élevé par des loups. Je dois être la première stagiaire. À pirater des appareils extraterrestres. Autoriser accès égal récupérer données. Pare-feu. C'est un pare-feu. J'essaie ma pierre de lune. Ça a marché. C'est une sonde mentale. Sonde mentale de Bucky. Monstres assoiffés de sang. On gagne toujours. Regardez, tout le monde pense à moi. C'est juste un scan de ton esprit, Bucky. Sonde mentale de Winter. Winter, t'aimes les vidéos de chats Tout le monde aime les chatons. Sonde mentale de Wyatt. On serait ravi. Wyatt Pourquoi ta sonde contient autant de souvenirs de moi Tu as le béguin pour moi Je. Arrêtez avec vos niaiseries. Dis-nous. Ce que manigancent les extraterrestres. Journal de l'éclaireuse. Ici la commandante. Vous devez trouver. Ce que Seabrook a de plus précieux. Ils ont menti sur leur mission. Quoi? On savait qu'ils étaient pas nets. C'est peut-être pas le seul mensonge. Bucky, prévient la patrouille Z. Patrouille Z. Au secours. Aidez-nous. Les îles sont électrisants. Et glissent tout droit vers la victoire. C'est palpitant. Oh que oui. Et comment Allô, ici Z Necrodopolis. Oui Je reviens. Je t'aime. Ok. Oui, lui-même. C'est bien moi. Z Necrodopolis. C'est vrai D'accord. Merci infiniment. Au revoir. J'ai été accepté à Mountain College. Ils invitent même d'autres monstres. À s'inscrire. Les barrières commencent à tomber. Faut que je le dise à Addison. Sécurisez le périmètre. Les extraterrestres ne s'échapperont pas. On avance. Je dois les prévenir. Et maintenant, une équipe qui aime. Tout ce qui est astrophysique. Applaudissez bien fort. Les extraterrestres. Stop. N'y allez pas. Mais on doit remporter la coupe. Notre avenir en dépend, et la victoire est si alléchante. La patrouille Z ne vous laissera pas. Participez, mais sans la carte, nous errerons dans la galaxie à tout jamais. Alors, croisez les doigts pour Cadisson. La remporte pour vous. Venez. Nos extraterrestres d'exception se sont désistés, et sur cette planète, cela signifie qu'ils sont disqualifiés. Disqualifié Maintenant. C'est à moi de gagner la carte. À la place, voici la dernière équipe. Les Mighty Shrimp de Seabrook. Addison. Il faut qu'on gagne. Les gens que j'aime comptent sur moi. On va gagner, Addy. Grâce à toi. D'accord Les pensées se bousculent dans ma tête. Je veux juste découvrir qui je suis. J'étais coincé. Comme tiraillé entre deux mondes. Mais à présent, je comprends. Pourquoi je me sens comme une étrangère. Dans ma propre vie. Je me suis tant fondu dans la masse. Mais maintenant, à mon tour de briller. Je suis enfin moi-même. Je vais le crier sur les toits. J'ai trouvé ce que j'avais perdu. Rien ne peut ternir mon éclat. Je suis enfin moi-même. Plus jamais je ne me cacherai. Tout comme la dynamite. Rien ne m'arrête, je suis enfin libre. Allez, on y va. Seabrook. Je suis plus forte que jamais. Plus rien ne saurait me retenir. Pleine de confiance, je vais droit au but. Laissant mes doutes derrière moi. Je me sentais comme une étrangère. Dans ma propre vie. Je me suis tant fondu dans la masse. Alors maintenant, à mon tour de briller. Je suis enfin moi-même. Je vais le crier sur les toits. J'ai trouvé ce que j'avais perdu. Rien ne peut ternir mon éclat. Je suis enfin moi-même. Plus jamais je ne me cacherai. Tout comme la dynamite. Rien ne m'arrête, je suis enfin libre. Je suis enfin moi-même. Je brille si intensément. Rien ne peut ternir mon éclat. Non, non, non. Je suis enfin moi-même. C'est mon heure de gloire, je suis libre. Prête à marquer l'histoire. À moi de prouver à tout le monde. Que nous l'emporterons. Et deviendront champions. Je suis enfin moi-même. Je vais le crier sur les toits. Sur les toits. Un triple Lindy Hip-Hop à deux temps. Rien ne peut ternir mon éclat. Je suis enfin moi-même. Oh, oui. Plus jamais je ne me cacherai. Plus jamais. Tout comme la dynamite. Comme la dynamite. Rien ne m'arrête, je suis enfin libre. Je suis enfin moi-même. Je brille si intensément. Regardez-moi briller. Rien ne peut ternir mon éclat. Non, non, non. Je suis enfin moi-même. C'est mon heure de gloire, je suis libre. Je suis libre. Prête à marquer l'histoire. Les gagnants sont les Mighty Shrimp. La coupe est à eux. Ouah. Merci. Oui. On a réussi. On a gagné. Ouais. Les extraterrestres mentent. Ils veulent nous voler. On n'aurait jamais dû laisser. Addison les accueillir. Recule. Z. Quelle passion. Elle veut t'arracher le cœur. Je le lui offre. Donne-moi ça. Tu l'as gagné. Elle est à moi. Non. Elle a volé la coupe de Seabrook. Dépêchez-vous. Pourquoi elle aide ces voleurs? Elle nous a trahis. Vite. Allez. Pas un geste. Restez où vous êtes. Téléportez-nous, vaisseau. Vite à l'attaque. Nos pierres de lune. Non. Quelque chose ne va pas. Erreur système critique. Attrapez-les. Arrêtez ces extraterrestres. Dégagez de notre planète. Ça suffit. Tu t'es zombifié. Est-ce que ça va? Oui. Je sais pas ce que tu mijotes. Mais tu peux compter sur moi. Oui. Stop. C'est aussi de ta faute, Addison. Tu les as accueillis. Et ils nous ont menti. Ce sont des traîtres, comme toi. Alors, soit t'es avec eux, soit. Avec eux? Je suis comme eux, oui là. Je viens de Seabrook. Mais pas ma grand-mère. Je suis. Une extraterrestre. Quoi? C'est pas possible. Ouah. Wow. Addison est des nôtres. Et elle est incroyable. Maman. Grand-mère Angie était une extraterrestre. Mais c'est impossible. Missy, dis Louis. Dale, je suis désolé. Je sais, ma chérie. Je l'ai toujours su. Tu m'as menti? En se cachant, mes parents pensaient. Me protéger. Te protéger. Grand-mère disait toujours. Que tu étais sa précieuse. Attends. Ça quoi? Non. Pas de coordonnées. C'est pas la carte. C'est parce que la carte n'est pas. Une chose. C'est une personne. Addison est notre carte. Les coordonnées sont dans son ADN. Instrument. Tu es la chose la plus précieuse. De l'éclair, de ta grand-mère. Ouais. On a trouvé la carte. Désolé. Ouais. Ok. On verra ça plus tard. D'accord. Mais c'est top. Vous pouvez enregistrer vos coordonnées. Et rentrer chez vous. Addison et moi? On ira à Mountain College ensemble. J'ai été accepté. C'est génial. Z, non. Ouais. Mais la carte menant à Utopie est dynamique. Elle s'actualise constamment pour guider notre vaisseau. C'est pas qu'un tas de chiffres. Et vu qu'Addison est notre carte, elle doit venir avec nous. Comment? Non. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est mon peuple. Z. Je suis essentiel à leur survie. Je partirai avec eux. C'est la décision la plus difficile. De toute ma vie. Mais je dois faire ce qui est juste. Addison, je dois te montrer quelque chose. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Si seulement j'étais aussi forte que toi. Tu es magnifique, maman. Oh, ma chérie. Peu importe votre planète d'origine. Vous êtes ma famille. Oh, Dale, non. Tu ne peux pas partir, Addison. Je demanderai à la patrouille Z. De t'arrêter. Je t'en prie. Désolé, papa. Mais c'est mon destin. Le vaisseau est endommagé. Qui sait s'il arrivera à décoller. C'est pas trop de notre faute. On voulait juste les empêcher de partir. Ça leur apprendra à nous mentir. On a aussi menti. Quand on voulait la pierre de lune. Tu comprends pas? Il nous vole à Dyson. Elle y va pour sauver son peuple. Je veux pas qu'elle parte. Même si elle est loin. Elle fera toujours partie de notre meute. Le réacteur est endommagé. Donc on a 67,9% de chance. De manquer d'énergie. Pour quitter l'orbite. On doit essayer. Plus on attend, pire c'est. D'accord. Pense à moi quand tu t'en serviras. C'est eux qui devraient être secoués. Pas moi. Tu vas me manquer. Toi aussi. On est les mighty shrimp. C'est notre fierté. Si vous ne nous entendez pas. Davantage on vous motivera. Je veux pas partir. Mais ils doivent trouver leur maison. Ouais, je sais. Donc je viens avec toi. Sérieux? C'est impossible. Z. Seule notre espèce peut voyager. À bord du vaisseau mère. Notre énergie de poussière. D'étoiles t'anéantiraient en un instant. Moi qui redoutais qu'on se retrouve à une centaine de kilomètres l'un de l'autre. Ce sera toute une galaxie. Coupure du réacteur central. Activation du système d'urgence. On doit y aller. Faut tenter le coup. Même si nos pouvoirs sont affaiblis. Bonzo. T'as eu ton permis. Vantard. Rien n'arrêtera ma colère. Vous ne nous empêcherez pas. De rejoindre Utopie. En fait, on veut vous aider. Vous avez une source d'énergie infinie. Pour recharger notre vaisseau? Loup. On va vous prêter notre pierre de lune. Vous avez besoin d'un coup de pouce. La pierre de lune est puissante. Mais elle nuit à notre peuple. Pas avec un adaptateur. On doit juste filtrer sa puissance. À travers nos brasses, les aides. Vous feriez un tel sacrifice pour nous? Les loups restent toujours soudés. Et Addison fait partie de notre meute. À jamais. Wyatt? Oui? Toi aussi, tu me plais. Téléportez-nous tous, vaisseau mère. Ouais. Par ici. Allez. Oui, juste ici. Tu vois, notre technologie. C'est pas de la rigolade. On a besoin d'un conduit organique. Entre la pierre de lune et le vaisseau. Seul notre peuple peut se relier. Au réacteur. Mais malheureusement, l'énergie de la pierre est mortelle pour nous. Mais tu es moitié humaine. Tu feras office de pont organique. Addison peut y arriver. C'est une extraterrestre. Et une cheerleader. Et elle est de notre meute. C'est ton destin. Prête. Je n'ai pas réussi à tenir. Il y a trop d'énergie. Tu dois rétablir la connexion. Sinon, tout est perdu. Prends ma main. L'énergie passera à travers moi. Tu vas te faire frire. Ça va aller. Je suis désolé. Génial. Le vaisseau est rechargé. Ouais. Maman est de retour. Super. On a réussi. Il faut qu'on décolle. Très bien. Parez au décollage. Je n'ai plus mal. Je contrôle mieux mes pouvoirs. Initiation de la séquence de lancement. Je t'aime, Z. Moi aussi, je t'aime. Jusqu'au bout de l'univers. Peut-être qu'on se retrouvera. Peut-être un jour. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Je sais que ça a l'air fou. Mais connaissez-vous l'histoire je pense la connaître vaguement. L'histoire d'une fille et d'un zombie. Dix plus. On dirait un rêve infini. Qui a-t-il de mal? Entre une fille et un zombie? Tu viens d'un paradis. Et moi je suis de l'autre rive. Mais j'ai l'impression. Que si tu apprenais à me connaître. Dès le départ, j'ai flashé sur toi. Quelque chose en moi s'est éveillé. J'ai l'impression. Que si tu apprenais à me connaître. Un jour. Ça pourrait être. Ça pourrait être ordinaire. Un jour. Pourrons-nous être extraordinaires Toi et moi ensemble. Sous la clarté du ciel. S'il se moque, on dira. Un jour on y arrivera. Un jour, un jour. Un jour on y arrivera. Un jour, un jour. Un jour on y arrivera. Votre attention, t'es rien. Ici votre principal. Addison n'est plus là. Mais aujourd'hui nous pourrons tous atteindre les étoiles en jetant nos chapeaux en l'air à la remise des diplômes cet après-midi. Et voilà. Parfait. Je suis si fier de toi, fiston. Merci, papa. Je sais. Elle me manque aussi. Ça va aller. Regardez-moi ça. Un robot zombie fraîchement diplômé. Adieu la lutte contre le système. Je suis encore sur le coup. Je suis infiltré. Ouais, j'avais trop peur de vous. La première fois qu'on s'est rencontrés. Et nous, on avait peur d'eux. Jusqu'à ce qu'on apprenne à se connaître. Tout ça, grâce à Addison. Elle a vu qui j'étais vraiment. Moi aussi. Nous tous. Allez, on y va. Le vaisseau-mère a presque calculé. Les coordonnées du topi. Elle a du mal. À les extraire de l'ADN d'Addison. Ça fait un moment qu'on bloque sur 97%. Allez, vaisseau Et voilà le travail. Plus que quelques minutes. Je me demandais. Pourquoi ta grand-mère ne nous a pas dit Que tu étais la carte Pourquoi compliquer nos recherches Elle a sans doute pensé Que vous aviez à apprendre de Seabrook Accès aux sondes mentales. Je crois qu'il y a un truc. Pas de zombies. Les cheerleaders sont pires. Que les humains. Lou. Tes amis vont me manquer. Mais la zizanie, non. Sur Utopie, nous n'aurons aucun conflit. Partagé avec les zombies. Mais parfois, le conflit est nécessaire. Nécessaire On est allé au-delà. De nos différences. Et... Vous êtes devenus amis. Oui. Ensemble, nous avons changé les choses z o m b i -E t -O -W -N. Accueil Seabrook. Le conflit peut avoir du bon. L'adversité peut nous aider à grandir. C'est vrai. Notre planète souffrait. Et personne n'a rien dit. Tout ça au nom de l'harmonie. Et maintenant, on n'a plus de planète. Harmonie ne veut pas dire silence. Unité ne veut pas dire conformité. L'amour est une force immense. Il peut gérer les désaccords. Je sais où ma grand-mère voulait. Que son peuple vive. L'endroit le plus parfaitement imparfait. Qui existe. Oui. Tu as trouvé notre nouvelle maison. Emmène-nous-y, vaisseau mère. S'il te plaît. Pourquoi t'as pas. Les cheveux de ta grand-mère? Parce que je suis pas un extraterrestre. Je suis un gars ordinaire. Un gars extraordinairement normal. Incroyablement fabuleux. Et ordinairement génial. Bucky, si t'étais différent. Tu sais qu'on se moquerait de moi. On t'accepterait. Ton génie va beaucoup manquer. À Cybrocaille, Bucky. Je sais. Je vais beaucoup me manquer aussi. Allons fêter ça. Redites-moi que je suis cool. Bienvenue au monstre. Ça va être trop bien. D'être tous à la fac. Quitter Cybrook est un nouveau départ. Addison me manque tellement. J'aimerais qu'elle soit là. Moi aussi. On allait changer le monde. Addison. T'es revenu. Tu croyais que j'allais manquer la remise. Des diplômes aussi facilement Et utopie Notre utopie, c'est Seabrook. Mais les choses ne sont pas parfaites ici. C'est vrai. Seabrook est désordonnée. Émotive. Pleine de surprises. Ici, le changement est possible. Et ici, un jour peut-être aujourd'hui. C'est la maison rêvée. Je vais bien. Vraiment. C'est juste ma fierté de vaisseau-mère. Je vous aime, les enfants. Place à la fête. C'est parti. Hein Allez, bonzo. Ouais. Donc, voilà. Les extraterrestres emménagent à Seabrook. Et même si notre communauté est... plus soudée que jamais. Et qu'on continue d'abattre des barrières. On a encore beaucoup à apprendre. On sera près quoi que l'avenir réserve. À notre monstrueuse ville. Bienvenue au vampire. Car si Brooke ne cherche pas la perfection, mais le progrès. Ce qui signifie qu'on aimera toujours l'imprévisible. On nous disait, conforme-toi. Arrête d'être bizarre. Mais pour avoir une chance. De changer le monde. Il faut oser être le changement. On est un nœud de contradiction. Mais on commence à y voir plus clair. Et cette sensation nous submerge. Tout le monde a sa place ici. On est heureux de te voir. C'est la maison et les gens. Qui compte, pas l'endroit. Alors, viens et sois toi-même. Personne d'autre que toi ne peut le faire. On n'en sera que plus fort. Continuez. Voilà comment tout a commencé. On n'a que de l'amour pour toi. Et pour tout ce que tu fais. Rien que de l'amour pour toi. Et pour tous ceux qui nous rejoignent. Rien que de l'amour pour toi. On sait que c'est réciproque. Rien que de l'amour pour toi. De l'amour pour toi. Rien que de l'amour. Rien que de l'amour. Rien que de l'amour. La nuit nous appartient toujours. La partager, c'est nouveau. Mais les étoiles brillent tellement plus. Maintenant que je la partage avec toi. Je peux être moi-même. Et toi aussi. Et si on n'est pas d'accord On fera comme les zombies. On n'a que de l'amour pour toi. Et pour tout ce que tu fais. Rien que de l'amour pour toi. Et pour tous ceux qui nous rejoignent. Rien que de l'amour pour toi. On sait que c'est réciproque. Rien que de l'amour pour toi. De l'amour pour toi. Rien que de l'amour. Rien que de l'amour. Je n'ai que de l'amour. On n'a que de l'amour. Rien que de l'amour. Coucou, mon cœur. C'est l'heure de répandre le cheerleading. Aux confins de la galaxie. Chiche, boum, bye bye. Je vais dans l'espace. Rien que de l'amour pour toi. Maman, je vais dans l'espace. Rien que de l'amour pour toi. Et pour tous ceux qui nous rejoignent. Rien que de l'amour pour toi. On sait que c'est réciproque. Rien que de l'amour pour toi. De l'amour pour toi. Rien que de l'amour. Rien que de l'amour. Oh. Rien que de l'amour. Sous-titre. Kimberley Richard.